Ah, Damon qui dit d'habitude, c'est deux bandes, une en haut, une... Oui, parce que j'ai fait en sorte... Alors, pour une petite... Ok. C'est moi ou ça bouge tout seul? Merci Angie, gros bisous. Merci pour ce quatrième mois d'abonnement. Excuse-moi, je suis la cinématique. Là, par contre, on a deux bandes, une à gauche, une à droite, mais j'espère que c'est que pour les cinématiques. Je vais essayer de me tenir plus droit, j'ai mal au dos. Or, qu'est-ce que c'est? Alors, le monsieur est venu fermer sa boîte. Il a bien raison. Nous vous recommandons, et je vous le recommande aussi, d'utiliser un casque audio et une manette de jeu pour l'expérience plus immersive. On est bon. On est bon, on est équipé. Tout va bien. Merci Twiggy pour ce 13e mois d'abonnement. Merci Angie pour ce 4e mois d'abonnement. Mais je l'ai dit, merci à Dark Spirit pour les 100 bits. Salut Gus, bon jeu. Hâte de te voir flipper, hâte de voir ta dernière enquête. Et merci Matisse le Snoop pour le don, merci beaucoup. J'arrive chez moi. Excusez-moi, je suis pas du tout concentré à cause de vous là. Salut Gus, petite contribution pour tes futurs projets, c'est toujours un plaisir de te voir en live. Merci énormément, plaisir partagé de t'avoir avec nous. Merci à toi. C'est bon, c'est un barbu. Home sweet home. Mon chez moi. Très bien. Nous sommes rentrés chez nous. Alors, vous allez pas le croire, mais j'ai exactement les mêmes mouvements de tête quand je... Non, le même radiateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce monsieur? Déjà, on va admirer les graphismes qui sont... Alors, je suis pas fan de son visage, mais le cuir est sympa. Alors, on peut tourner la tête. D'accord, c'est vraiment old school. Donc les déplacements, c'est du vraiment... Ouais, c'est... Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu dans cet esprit-là. J'avais joué à Code Veronica, je me souviens. Merci Catal Jaeger pour cet abonnement. Merci énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça me rappelle d'excellents souvenirs. Mais on veut voir? On veut voir? De quoi parle-t-il? On peut pas voir ce qu'il peut pas voir ce qu'il y a de marqué. Est-ce que je peux éteindre la lumière? Merci beaucoup Aaron Ideoga pour ce 31e mois d'abonnement, j'arrive plus à le dire. Bouh! Tu es restaurant mauvais enquêteur, youtubeur, streamer. Et c'est ses préférés, bisous à toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Malgré tout, je reste ton youtubeur préféré, c'est gentil, merci énormément. Noctarius666, merci aussi pour ce 13e mois d'abonnement, 19 au total, c'est adorable, merci beaucoup. On va rallumer. Je découvre hein, le jeu, vous le savez, je vais prendre mon temps. Ah, mais là on voit! Merde. Là on voyait, ça lui rappelle des bons souvenirs. Donc une promenade en famille, au bord d'un canal. La photo de grand-père en haut. Et on a une photo de famille encore juste là. Je regarde un peu, il y a des cassettes audio. Je dirais qu'on est dans les années 80, 90 peut-être. Et là, il y a autre chose que je peux faire. Ma vieille lampe de poche, elle m'a sauvé plus d'une fois dans la nature. Oui, parce que quand je vais dans la nature, grâce à ma lampe de poche, je m'en sors dans la nature. Dans la nature, c'est bizarre. Bon, on va pas trop troller le jeu quand même. Il y a un petit carillon au-dessus. Ah, je peux regarder un peu en l'air. C'est dommage. Ah ouais, on aimerait trop bouger la caméra vraiment pour voir les... Trop à droite devant, qu'est-ce qu'on a? Toilette. On est accueilli par les chiottes, porte ouverte. Mec, les toilettes puent comme d'habitude. Quoi? Quoi? Je veux relire cette... Mec, les toilettes puent comme d'habitude. Bah déjà, ferme le rabattant, là, ou le battant des toilettes. Ça sentira un peu moins mauvais. Type Frost, merci énormément pour le don. Hâte de voir l'épisode que tu as parlé. Content de te retrouver en live, en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Je pense vraiment que ça fera un bel épisode. Je vous dis ça, juste avec ce que j'ai vécu sur place, ce que j'ai expérimenté, ce que je sais pas... Enfin, voilà, je vous dis... Je suis toujours là, et j'ai pas eu... Il y a eu des moments intenses, un petit moment de... Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que ça fera un bon épisode de Chasseur de fantômes. J'aurais aimé pouvoir rester jusqu'au lendemain matin, mais j'étais mort. J'aurais aimé pouvoir emmener plus de caméras, tout ça. Je le referai peut-être dans un autre
lors d'une autre enquête. Merci Xar, on continue. Merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Merci énormément. Alors, continuons d'ouvrir les toilettes, c'est bon, on a vu. Donc on va un peu regarder la pièce. Bon, à mon avis, c'est un bureau. Ça me fait penser à Cthulhu, en fait. Le jeu qu'on a commencé, que j'ai pas fini. Et sur lequel j'ai pas trop envie de retourner. Le son est pas mal. Bon, le piano, c'est un peu chiant. Ma collection de vinyles des années 80. Peut-être que le mois prochain, je pourrais me payer les étagères pour l'y... Mais les... me payer les étagères pour l'y poser. Ok. Maman. Sophie. Non, c'est sa femme. Ça m'a pris des années pour ressortir ses photos. Ça, je pense que sa femme, c'est un gars désespéré qui vit seul, hein, ça c'est sûr, ça se voit. Les toilettes qui puent, c'est un signe. Hein. Et à mon avis, sa femme, c'est triste, hein. Sa femme n'est plus là. Ah, ça, ça doit être son chapeau qui l'a aidé à s'en sortir plus d'une fois dans la nature. Salut, Sir Triton, merci beaucoup, bonsoir Gus, désolé, j'arrive en retard, je sors du travail, inventaire du magasin, on compte les articles, j'espère ne pas avoir raté grand-chose, bref, bonne frayeur, merci beaucoup, bah non, écoute, on commence. Donc on a juste visité les toilettes pour le moment. Qu'est-ce qu'on a là? Rempli de trucs, de divers trucs, mon appartement est clairement trop petit. Écoute, pour le moment, on a vu les toilettes et une deuxième pièce. Sébastien P. Husher, l'auteur de fiction historique. Il a vendu son dernier roman à 4 millions d'exemplaires. C'est pas mal. Je sais pas si c'est important tout ça. Je peux pas tout... Ouais, donc la caméra, on peut... ça va être très perturbant de jouer comme ça. Bon, ouais, je vais m'y faire. C'est plutôt un bon après-midi en fait. Le genre d'après-midi que mon patron aime gâcher avec une de ses putains de missions. J'espère qu'il va pas appeler aujourd'hui. Allez Étienne, on est vendredi. Moi, perso, pour le moment, le piano me saoule. Hein. Je dis ça... je sais pas vous, moi, ça me... On remercie, je sais pas, la boîte de communication du jeu hein, qui me l'a offert. J'ai rien demandé. Ça tombe très bien. Alors. Nous sommes dans... Ah oui, c'est vraiment le célib. Avec... ah non, j'ai cru que c'était des bières, mais non, c'est des bottes. C'est ces bottes qui l'ont aidé bien souvent en pleine nature. Qu'est-ce qu'on a là? Petite radio, non? C'est pas évident, là. D'accord, ça allume par ici. Cuisine. L'énorme ventilo au plafond. La clim ventilo. Cafetière, des restes de café, pas ma drogue préférée pour un vendredi soir. Attends, je peux fouiller la poubelle. On va chercher à manger. Putain, j'aurais juré avoir déjà sorti les poubelles. Mais quel porc. Je suis pas du tout comme ça, hein. Moi, chez moi, c'est clean. Chez moi, les toilettes ne puent pas, les poubelles sont sorties, et les chaussures ne traînent pas au pied du canapé. Merde, j'ai encore fermé les rideaux. Je vais finir par tuer cette pauvre plante. Exact, ouvrons les rideaux. Ah oui, bah alors en même temps, les rideaux sont totalement inaccessibles. Je dois vraiment vendre ce vieux truc une bonne fois pour toutes. Il parle du vélo. Là, on a une télé. J'ai hâte de voir le prochain épisode de X-Files. Petite ref, très sympa. Donc, on est bien dans les années 90, quoi. Ma collection de cassettes vidéo. J'ai quelques westerns et des films policiers. Oh la vache, le lourd. Je pense passer mon dimanche sur ce canapé à écouter du jazz. Alors, j'ai l'impression de jouer avec mon papa. J'aime beaucoup. Alors, excuse-moi papa, tu n'es pas lourd, loin de là. Je t'aime énormément. Et tout va bien. Mais c'est le fait de... Sur certains points, c'est toi, quoi. C'est mon père. Mon père, c'est le jazz, les westerns. Et quoi d'autre? Bah c'est tout, mais ça suffit. C'est déjà beaucoup. Oh merde. Qu'est-ce que je raconte? Ah, la nourriture, elle est là. J'ai vu les boîtes de pizza. C'est un jeu de... J'ai l'impression de jouer aux Sims là un peu. Hein.
C'est pas la meilleure pizza de ma vie, mais ça fait le taf. C'est vrai que pour le moment, je sais absolument pas où on va avec ce jeu. Je me dis là, à moins qu'un monstre n'apparaisse dans l'appartement, je vois pas comment on peut enchaîner sur une histoire d'horreur. À moins que le téléphone sonne, qu'on me donne une mission, que je prenne ma bagnole et que je me rende dans un endroit. Mais là, présentement, je vois pas du tout. Ah, peut-être le frigo. Je vais ouvrir le frigo et quelque chose va me sauter dessus. Je n'ai pas très faim en plus. J'ai pas fait les courses cette semaine. Ouais, ça fait une semaine que j'ai pas mangé. Allez, on va s'intéresser à la vaisselle qui n'est pas faite parfaitement propre, évidemment. La vaisselle n'est pas faite. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Je sais pas où on va, là. L'appareil photo. Chutette, merci beaucoup pour ce 15e mois d'abonnement. Coucou, ça fait longtemps que je ne suis plus venu. Désolé, c'est pas grave. Moi-même, j'ai fait moins de live ces derniers temps. Bon, ben voilà, on atteint, on allume. Là, je... Ah oui, il y avait un truc à regarder là, non? Bah, les cassettes vidéo, c'est... Oui, là-haut. Ça. Je pense passer mon dimanche sur ce canapé. Ah non, mais je l'ai lu aussi. Voilà. Bah, très bien. Est-ce qu'on peut repartir, peut-être, de la maison? Ah, j'ai du courrier. Non, je peux pas quitter cet endroit. Ils sont sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai raté quelque chose, peut-être. Je retourne dans cette pièce. T'as oublié une pièce? Ah non, le téléphone sonne. Téléphone, pas téléphone. Allô? Bonjour. C'est bon, on est sauvé. Hello. Daniel, c'est moi, Étienne. Hey, on a un gros problème urgent. Tu rigoles? Vendredi soir, il y a une urgence. C'est une affaire sérieuse, Sébastien Usher est introuvable. Et son manuscrit aurait dû être transmis au bureau mardi. Il ne répond pas au téléphone et ne s'est pas présenté à son bureau à l'université. Il a disparu sans laisser de traces. Ne te fous pas de moi, Étienne. Appelle le lundi ou envoie-lui un courrier. Je suis arrivé chez moi il y a moins de 5 minutes. Je dois assister à l'événement d'Albert dans une demi-heure. Par contre, tu es plus proche de la maison de Usher que moi. Allez, mec, plus vite tu t'y rendras et plus vite tu pourras rentrer chez toi. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Tu me devras alors une bien grosse frayeur. Tout ce que tu voudras, note ça, c'est au 4 route Abbott Thomas dans le vieil ensemble résidentiel situé long de l'autoroute EB15. EB15, bon Dieu, c'est au milieu de nulle part. J'envisage de prendre quelques jours de repos après ça. Ouais, je vais essayer de faire une voix comme ça. Eh bien, nous en reparlerons. Oh, et s'il te confie le manuscrit, il ne le montre à personne. Au moins, essaie de ne pas le vendre au plus offrant. J'improviserai, je t'appelle à mon retour. Merci Dan, tu me tires une belle épine du pied. Tu sais, le doublage des trucs américains, des reportages américains. On comprend la voiture, encore un autre putain de vendredi à travailler comme un garçon de course. Mon pauvre. Je suppose qu'ils sont trop imbus d'eux-mêmes chez Wake Publishing pour venir personnellement prendre des nouvelles de ce bon vieux Usher. Merde, je devrais aussi être trop important pour ça. Je ne dois pas trop me plaindre cependant. Passer ma situation d'ivrogne ruinée à celle de garçon de course est en soi une amélioration. Si seulement les choses étaient mieux passées pour la société, ou si j'avais arrêté de boire plus tôt. Ok, on joue un ancien alcoolique. Si seulement les choses s'étaient... Okay. Mince, Sophie a fait le bon choix en divorçant, j'aurais divorcé à sa place. Sa femme n'est pas morte, mais elle est partie. Daniel, noyer le putain d'alcool. Doit le noyer, le putain de... Merde, d'alcoolique. Eh bien, garde la tête haute, toi. Il s'agit de Daniel Noyer, le putain d'ex-alcoolique, après tout. Employé de Wake Publishing de jour et laqué de Wake Publishing le soir, surtout les vendredis. Mais si je pouvais trouver Usher, j'ai le sentiment que mon statut dans la société en serait grandement amélioré. Je crois qu'on arrive à la maison. Après tout, c'est la plus grande... J'ai pas eu le temps de lire. Croisons les doigts et espérons qu'il y ait la maison. Qu'il est à la maison. C'est bien ce que je vous disais, on allait recevoir un coup de téléphone et on allait avoir une mission. Et c'est maintenant que ça commence. Coucou Aurélie, sois pas désolé hein, pour l'état des petites aquarelles. Explorez bien votre environnement, l'indice qu'il vous faut pour avancer est généralement à portée de main. Très bien. Nous arrivons.
Méridien qui dit un peu bof ce jeu. Écoute, on va lui laisser sa chance. Ne partons pas comme ça. Ne basons pas notre jugement sur voilà, mes commentaires un peu troll aussi. Hein, une question. Mais il paraît que c'est très sympa. Moi, j'avoue que j'aime bien les vues plus immersives, mais on verra. Prélude, j'ai pas eu le temps de lire non plus, j'ai pas pris, j'ai passé à côté. Donc nous voilà dans le jardin. Ah, on va attendre 2 secondes, j'aimerais voir un truc. Est-ce qu'on a vu passer une... Je sais pas si vous avez fait attention, il y a une voiture verte qui est passée devant notre personnage. Est-ce qu'une autre voiture verte va repasser dans le même sens? Est-ce qu'ils ont prévu des allées-venues de voitures pour rendre le truc un peu réaliste ou pas? Combien de temps on attend? On a Lily. Ah, j'entends une voiture. Voiture rouge qui passe dans l'autre sens. Très bien. Bien joué. Très bien. C'est suffisant. Ah, une camionnette blanche. C'est énorme. Je parie que c'est la seule. Mais non, pas du tout. Je lui regarde. Ça, c'est... Bah voilà. C'est des petits détails comme ça, mais... Alors regardez, il y a l'ombre de notre personnage dans l'eau. C'est pas un détail non plus. C'est intéressant aussi. Ah, un autre véhicule. Voiture blanche. Non, ils ont assuré. Ils ont vraiment assuré. Un tricycle. Je ne savais pas que Cher avait des enfants. Moi, ce que j'ai... Moi, par contre, c'est la musique, quoi. Le piano, comme ça, constant, c'est pas possible. Il y a quelque chose à regarder, là. Les poubelles. Pourquoi prendre la porte du côté alors que je peux prendre la porte principale? C'est pas faux. Parce que j'aime bien fouiller partout. Moi, je veux bien rentrer dans la maison, mais vous m'arrêtez ce piano, là. C'est plus possible. J'ai vu un point blanc par là, non? Non, je l'ai rêvé. Est-ce que je peux courir? C'est le rocking chair. Un journal. L'assassin qu'ils ont arrêté la semaine dernière est en première page. Je me racle un peu la gorge et je crois que j'ai pris étonnamment un peu froid. Mais ça s'est rafraîchi depuis mercredi dernier. Entrons. Hello. Hello. Is that music? Est-ce que c'est de la musique? Je dois jeter un oeil. Du moment que c'est pas du piano. Ah, j'aime bien le piano, hein, mais là, ce qu'on entend... Oh, génial. On a une lampe de poche. Source de lumière. Tous les personnages ont leur propre source de lumière. Oui, parce qu'on va jouer plusieurs personnages. Ce monsieur. Je crois qu'il y a une femme. Un monsieur plus âgé. Je crois qu'il y en a 4. Un par chapitre. Il me semble, on verra. Si on continue. Tous les personnages ont leur propre source de lumière. Pour l'éteindre et l'allumer, appuyez sur RTR. Ok. Quand elle est allumée, vous pouvez choisir la direction vers laquelle vous souhaitez diriger la lumière. Pour ce faire, utilisez R. Ça vous permettra d'éclairer des zones spécifiques et vous aidera aussi à interagir avec des objets qui ne sont pas forcément face à votre personnage. Votre source de lumière ne s'épuisera jamais. Utilisez-la autant qu'il... Ça, c'est la meilleure nouvelle que je pouvais attendre d'un jeu vidéo. J'ai envie de le relire pour le plaisir. Votre source de lumière ne s'épuisera jamais. Utilisez-la autant qu'il le faudra. Mais ça, j'aimerais pouvoir en enquête aussi une source d'énergie illimitée parce que les batteries, c'est chiant, quoi. Mais j'ai pas le bas du jeu, moi. Faut que j'appuie sur quoi pour quitter ça? Merde. J'ai pas le bas de l'écran. Attendez, je vais faire un truc. J'ai ma barre, là. Est-ce que je peux la virer? Paramètres de la barre des tâches. Voilà. Elle est masquée. C'est mieux. J'ai tout. Alors Poussine me dit, en fait les personnages sont tes vies. Si tu meurs, ton perso meurt et tu peux changer de personne. Quand tu les as tous tués, tu as perdu la partie, bon courage. Ah, parce que c'est nous qui tuons les personnages. Non, je suis pas d'accord. C'est le jeu, hein.
Alors effectivement, donc je peux l'éteindre, allumer. Regardez. Ah, on a revu passer la camionnette blanche derrière. On dirait des guides de voyage. L'horloge indique midi, j'imagine qu'il faut la réparer. L'alarme a l'air désactivée, encore mieux si elle se déclenche. Je vais devoir m'expliquer. Ça fait beaucoup de vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? D'où vient la musique? Bon bah je vais fouiller pièce par pièce. Hein. Oh merde! C'est une malédiction! Première pièce, les toilettes! Bon, près de l'entrée, c'est pratique. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de boire. Je devrais peut-être inviter Sophie. Bon, concentre-toi, Daniel. Ouais, c'est pas le moment, là. Hey, tu m'as fait peur, le Sgard. Je m'attendais tellement pas. Bou, tu es une personne que j'apprécie énormément. Hâte de voir ton prochain CDF. Bonne soirée. Merci beaucoup, le Sgard. Gros, gros bisous à toi. Merci pour ce 14e mois d'abonnement. Des moons, même derrière les hormones des mecs qui commencent à revenir. Mais le gars se regarde dans la glace et tout de suite il repense à Sophie. Alors, ces peintures sont déprimantes, je ne les aurais jamais mises chez moi. Mec, on en reparle de chez toi? T'es mal placé. Pour juger. Usher est dans beaucoup de ses photos, le reste doit être de sa famille, j'imagine. C'est bizarre. Que font toutes ces valises ici? Je pense que la musique vient de là. Y'a quelqu'un? Ma torche sert pas à grand chose. Joli tourne-disque, il a l'air ancien. Un jeu d'échecs, ça correspond bien à l'aspect intello de cette maison. Bon, je suis désolé, mais il y a certaines... Bref. Tous ces livres ont été écrits par Usher. Ça doit être les premières éditions. Cette tête de cerf est presque aussi grosse que la mienne. Tu parles de ta tête, j'espère. Désolé. Oh, un boudoir. Ah, j'aime bien ça. Petits espaces dans les maisons comme ça avec des canapés. Salut Nirvana, merci beaucoup pour ce 9e mois d'abonnement. Enfin le confinement est terminé, tes aventures au cœur du paranormal peuvent continuer pour notre plus grand plaisir. Oui, et j'espère pouvoir retourner assez vite en enquête. Enfin, je vais déjà finir ce travail là, mais je vais pas attendre l'année... Enfin, je vais pas attendre septembre, octobre, je pense que dès le mois de juillet, je repars. Cette plante est à peine vivante, ou pas? C'est quand la dernière fois qu'ils l'ont arrosée? Tu es mal placé pour commenter. D'ailleurs, c'est la même que chez toi. Attendez, il y a un truc qu'on peut regarder juste là. Des magazines d'art et d'histoire. Je n'ai rien contre ces magazines, mais je parie qu'ils sont chiants comme la mort. Oui, je suis pas fan des... Comment appeler ça? Des répliques du jeu, là, pour le moment. Regarde toutes ces bouteilles et dire qu'elles m'ont presque ruiné la vie. Piano. Je crois qu'il faut l'accorder, ça fait des années que j'ai pu écouter quelqu'un en jouer. Pourquoi le fait de faire du piano a fait une espèce de musique chelou? Avec autant de personnes dans la maison, c'est pas étonnant que personne n'ait répondu aux appels d'Étienne. Alors, on fait que ça fait quoi, un quart d'heure qu'on joue, hein. Pour le moment, moi, je m'ennuie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai aucune envie de fouiller toute cette maison comme ça, sans but. Si je casse ça, mes petits-enfants finiront par le payer. Et de lire des... Je suis dur avec le jeu, mais là... Et de lire des répliques qui sont... Naze, quoi. Je suis dur. Une quantité respectable de livres. Je suis dur. Je me demande à qui c'est.
Quoi? Mais de quoi tu parles? Attends, je vais redire cette phrase. Je me demande à qui c'est. Certainement au propriétaire des lieux. Fiction historique. Marrant à lire, mais je préfère les journaux. Pardon, je me cogne le nez tellement je suis dépité. Hein, un appareil photo, non? Un appareil photo, ou plutôt un vieil appareil photo. Un faux appareil photo? Un faux appareil photo. Ah, alors ça c'est sympa. La vue sur le jardin est sympa. Transparence à travers les vitres. Mec, ce type est encore plus bordélique que moi. Non. Non, 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 je te jure que non. Non, non, t'es un champion. Hein. Dans ton genre, t'es pas mal. Principalement des thrillers policiers et des romans noirs. Ça, ça me plaît. C'est ce que j'allais dire. Livre de grammaire et ouvrage de référence, j'imagine que c'est utile quand Usher écrit. Moi, mon livre préféré... Enfin, j'utilise plus un livre maintenant. À une époque, j'avais un bouquin, mais maintenant, c'est Internet. Hein. C'est livre, un dictionnaire des synonymes. Hein. Quand t'écris, c'est top. LOL qui me demande si je l'ai payé cher ce jeu. Non, il m'a été offert par la boîte de com qui vend le jeu, je pense, enfin, qui communique sur le jeu. Des livres, des romans, et cet après-midi. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai reçu un mail. Des sabres japonais, tout ce qui vient de ce pays est populaire maintenant à cause de ces dessins animés débiles. Ah non. Ah non. On dirait que le tiroir est fermé. Mais oui, et alors? T'avais l'intention de l'ouvrir? Je comprends pas ce que je suis en train de faire. Ok, il est pas dans cette pièce. Si bien compris, on cherche un monsieur qu'on ne trouve pas. Mais le gars en profite pour fouiller partout. Allez. Livres et des assiettes dans les mêmes meubles. Pas beaucoup de logique par ici. Alors attendez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même sur ma critique du jeu là? Avec cette musique hein, constante là depuis le début. Quand c'est pas du piano, c'est une ritournelle de boîte à musique à la con. Je suis désolé, je suis grossier. C'est mou, c'est pas ma faute hein. Pas qu'il t'es pas obligé de fouiller partout. Bah je sais pas. Je vois des petits points blancs, j'ai peur d'oublier un truc. Nitract, moi je me suis jamais autant amusé. Quel troll. Quel troll ce Nitract. Là on a un truc super intéressant. Des portraits de famille, j'imagine. Ils ont l'air vieux. C'est quoi le miroir? J'ai bien fait d'arrêter de boire. Ce miroir est dégueulasse. Ouais. Il y a quelque chose sur cette poignée. La table est mise, mais elle est recouverte de poussière. Où est passé tout le monde? Ah, on commence à se poser des questions. Documents et objets. Vous avez trouvé un objet consultable. Examinez-le pour obtenir des informations en appuyant sur A. Pour examiner tout le dos de la feuille, appuyez sur R. Vous pouvez accéder à tout moment à votre inventaire et aux documents collectés en appuyant sur L, B, R, B. Première lettre d'Isaac Farber. Une lettre pour Usher trouvée par Daniel dans le manoir de l'auteur estampillée du 1er août 1998. Cher Sébastien, maintenant on va lire une lettre. Comment vas-tu? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous attendons tous avec impatience ta dernière œuvre. Mon cher ami, je dois te demander une faveur. Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique. Une boîte à musique ornée de gravures fascinantes. Le savoir-faire est étonnant, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Oui, on a vu tout à l'heure... une cinématique avec la boîte à musique et des tentacules qui sortaient, des trucs noirs qui sortaient de cette boîte à musique. Et ça doit être Usher qu'on a vu arriver pour fermer la boîte. Et c'est peut-être ça qu'on entend actuellement. Et ça va peut-être partir en sucette. Alors, le savoir-faire est étonnant, mais quelque chose d'autre attire mon attention. Ou peut-être devrais-je dire que ça a captivé mon ouïe. La mélodie, Sébastien, elle est curieuse. Tu dois l'écouter aussi. Je n'avais encore jamais entendu ce morceau. Mes tentatives pour trouver la partition ou le nom du compositeur ont été vaines. Je n'arrive plus à me sortir de cette mélodie de la tête. Nous non plus, et on aimerait bien se la sortir de la tête. La mélodie. Interesting. What
qu'est-ce que... Comment est-ce qu'il peut... J'ai pas eu le temps de lire. La musique devient un peu angoissante. Il y a un album musique classique dans le lecteur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a des trucs de partout par terre, ça me rappelle ma chambre d'étudiant. Attendez, je vais lire ça. Oh, la violence de la boîte à musique, mais elle est montée sur un ampli, quoi. C'est fou. On est entré, la porte s'est refermée. Ça risque de commencer à devenir très intéressant. J'avais à peine fait un pas que j'entends la porte se fermer derrière moi. Quand je me suis retourné, la porte avait disparu, il n'en restait qu'une étrange ombre sur le mur. J'ai cherché, j'ai désespéré, et j'ai crié à en perdre la voix. Et pourquoi on joue pas à tout ça? Ça devient intéressant, on ne joue pas. Les bougies ont vite commencé à fondre et les piles de ma lampe de poche se sont déchargées. Dans les ténèbres les plus suffocantes, les heures passées se changeant bientôt en jour. What? Et j'ai commencé à dormir d'un sommeil agité. J'entendais des voix, parfois juste à côté de moi, d'autres fois à quelques mètres de moi. Mais il a mangé quoi cet homme? Il a bu quoi? Comment a-t-il survécu pendant des jours? On aurait dit qu'il venait de l'autre côté du mur. Des cris désespérés, des hurlements d'horreur. Et parfois le pire de tout, un silence vaste et oppressant prenait place, semblant émaner de partout et de nulle part à la fois. Everywhere and nowhere. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne là-bas, juste des hallucinations, des cauchemars, un néon noir et la chanson de cette boîte à musique. Pris au piège dans cet endroit indicible, je me demandais si j'allais y laisser la peau. Fallait peut-être pas que je rentre en fait. Je l'ai tué ? 3 jours plus tard. Salut Prog Mushroom, merci beaucoup pour ce sub offert à Ophélie, merci à tous les deux. Bonjour Étienne, vous avez des nouvelles de Daniel? Oh Sophie, non, nous avons appelé chez lui toute la journée sans aucune réponse. Savez-vous s'il a un téléphone portable? Non, je ne pense pas, et s'il en a un, il ne le garde pas souvent sur lui. Oh non. Attends, j'ai pas... Oh non, je pense qu'il me faudra passer chez les Usher en partant d'ici pour voir s'ils ont de nouvelles. Est-ce que j'ai pas tué le premier? Usher, l'écrivain, votre client? Oui, j'ai envoyé Daniel là-bas vendredi et je n'ai plus de nouvelles depuis. Quelle est l'adresse? Je vais faire un détour par chez Daniel. Et si je ne le trouve pas, je peux aller me renseigner sur lui. La maison est à la périphérie de la ville, sur l'autoroute OB50. Au numéro 4 de la route Abbott Thomas, c'est une grande maison. D'accord, je suis en route, appelez-moi si vous le trouvez. Est-ce que vous pensez qu'on a tué le premier? Il y a plusieurs héros, mais... Je sais pas. Le meneur Usher est une grande maison. On a Space Yugushu qui dit j'espère. Je sais pas si tu dis j'espère par rapport à ce que... Alors, Sophie Van Denand, âge 40 ans, source de lumière, bougie. La vie a souvent mis Sophie. C'est important, ça, la source de lumière? La vie a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie grâce à son extraordinaire persévérance. Elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Ah, mais c'est sa femme! Sophie, qui dirige une galerie d'art bien connue, profite désormais de la prospérité dont elle a toujours rêvé. Elle a une vitesse de 5, une discrétion de 5, une force de 4 et une sérénité absolue de 6. Bougie parfumée, dès que j'en allume une, tout autour de moi semble plus sûr et plus apaisant. D'accord, c'est son... En fait, elle a des caractéristiques. Y, ça sert à quoi? À rien. Bon, prenons Sophie. Enfin, jouons avec Sophie. Enfin, on va... Voilà, incarnons Sophie. Fais attention à ce que je dis, parce que ça peut être mal interprété, je vous connais.
Donc nous jouons jusqu'à présent un barbu, ancien alcoolique, et nous jouons maintenant sa femme, inquiète pour lui quand même, parce qu'elle l'aime toujours au fond, c'est sûr. 28 septembre 1998, je vous disais années 90, en fait on est plus dans les années 2000, je suis un peu trompé, à peu de choses près finalement. Non, années 90, c'est ça, pardon, excusez-moi. Presque 2000. Donc la bougie. On a changé. Et la camionnette blanche qui passe derrière. Allez, on n'a plus la musique, on n'a plus le piano, c'est bien. Et on va voir ce qu'elle dit sur le tricycle, elle. Oh, elle est un peu bizarre dans ses déplacements. Non, le tricycle, elle s'en fout. Allez, allons-y. Allons chercher Daniel. Un journal qui a traversé une tempête. Je peux à peine y lire un mot. Elle rentre, elle frappe pas, rien. Manoir de Usher. La porte était ouverte. Il y a quelqu'un dans la maison ? Il y a quelqu'un dans la maison ? On attend que ça réponde. C'est quoi ce son? Il y a un son qui se promène, hein. Bon. Une alarme antivol trop moderne. Un fossé rempli de crocodiles serait le plus approprié à cette maison. On va tout de suite aller aux toilettes. Non, je fais ça. On va aller à la recherche de Daniel direct. C'était par là, je sais plus. Non. La bougie, ça éclaire mal, hein. Bon, on va chercher Daniel. Ah, oh, tu m'as fait flipper. Hey, je commence à flipper un peu. Merci Warel. Pour les 10 bits, elle a l'air d'avoir la même lombalgie que toi. Ouais, elle est un peu... Je l'ai plus la lombalgie, hein. Moi c'est une tendinite maintenant. Je sais pas. Mais j'avoue que... Il va falloir que je pense que... Ce fauteuil est pas complètement satisfaisant. Je l'ai payé une fortune, mais... Non, mais je suis resté trop statique. Il faut que je me force à quitter ce poste de travail. Je me fais mal au dos à chaque fois, très vite. Puis je vieillis. Alors... C'est par là, je crois. On est d'accord, hein. On va direct au... Là où est Daniel ou pas? Parce que là, je prends mes décisions tout seul. Vous êtes censé jouer avec moi. Un peu indirectement, mais... Le jeu fait ça... Le son, c'est super important. J'avoue que là, le travail est superbe. Tu devrais lire ces commentaires, c'est sûrement pas les mêmes que Daniel. Attends, non. Moi, je refais pas le tour. Oui, c'est pas les mêmes, mais... Je pourrais aisément me glisser sous cette table si je devais me cacher. T'as raison, ça peut être intéressant, finalement. Enfin, je vais pas faire tout le jeu, tous les trucs. Je n'y vois rien, c'est couvert de crasse. C'est pas les mêmes, mais bon, on va pas refaire le tour. Les assiettes et les bouquets ensemble, et voilà, tu vois. Elle fait la même... Ils sont mariés, hein, c'est pas pour rien. Ils ont vécu ensemble, ils vont avoir les mêmes... Ils vont avoir à peu près les mêmes réflexions. Des fruits en porcelaine, des chandeliers en service à thé anglais, tout très vieux et poussiéreux. Allez, j'avance, on est d'accord. Quoi? Cette porte est bien fermée. Qu'on a un plan. J'aime bien celui-là. Voir autant de bouteilles à même endroit me rappelle Daniel à des moments désagréables. Ah, c'est pas cool pour Daniel. Le pauvre. De toute façon, on est toujours catalogué par rapport à nos actes négatifs. C'est triste, mais c'est comme ça, souvent. Aïwa, merci beaucoup pour ce 10e mois d'abonnement. Coucou Gus, 10 mois à te suivre en live. Je te suis depuis le début. Tu es un youtubeur extraordinaire quand tu es comme ça. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis pas convaincu, mais merci beaucoup.
Pourquoi madame est venue avec une bougie? Je sais pas. C'est sa spécialité. Bon, on va essayer d'aller dans des endroits où on n'a pas encore été. Bon, c'est pas le cas du bureau, mais bon. Nolivetti, 1940, Usher de la vieille époque, même dans le cadre de son travail, mais j'admets que ça a son charme, elle parle de la machine à écrire. Là, j'imagine que c'est toujours fermé. C'est quoi ça? Les katanas? Ah non, je vois une clé dans le tiroir, mais il est coincé, je dois trouver le moyen de le lubrifier. Ah merde, à chaque fois, hein, faut le lubrifiant, ça c'est un truc. Hein. À chaque fois, il y a un lubrifiant qu'il faut trouver. Et dans le dernier jeu, c'était le cas aussi. The Land of Pain. Bon, où est-ce qu'on a trouvé du lubrifiant? À la cave, dans un débarras, à la cuisine. On doit trouver du lubrifiant dans cette vieille maison hantée. Enfin, hantée, je sais pas, mais je la sens mal. La cuisine, j'aurais mise là. Ah, on a trouvé quelque chose. Des balles. Une boîte d'allumettes ordinaire qu'on peut combiner. Je la mets de côté pour le moment. À la pharmacie du lubrifiant, mais non. Sérieux de table délicat et élégant, mais recouvert de poussière. Non, c'est pas la cuisine, c'est quoi ici? C'est tout petit. Et donc on doit redonner sur la pièce de tout à l'heure. Exact. Ils ont pas de cuisine à proprement parler. Hein. Là, on peut se cacher sous la table. Donc j'ai fait le tour du... Pour moi, j'ai fait le tour du rez-de-chaussée. Hein. On va retourner au niveau de l'escalier, je pense. Non, on retourne là où il y a le piano. Reviens sur tes pas. Et là, on retourne. Voilà, au niveau de l'escalier. Bon, je grimpe. Je devrais d'abord jeter un coup d'œil à cet étage. J'ai réussi à rater un truc. La salle de bain, tu as raison. Toilette, salle de bain. La salle de bain pour le lubrifiant, mais oui! Moi je mettrai. Enfin, lubrifiant. Bref. Mais on n'avait pas vu cette petite pièce. Des valises, ok. Tableau, des larmes dans le vent de Lyme Edelman, c'est à la fois beau et mélancolique avec des touches macabres. Bon Dieu, j'ai pris l'habitude de parler comme quand je parle des œuvres à mes clients. Allez, on va par là. Je peux pas l'ouvrir, c'est verrouillé. Ah, voilà. Le débarras. Ou le garage, enfin bon, l'endroit où on peut bricoler. Lubrifiant, il va être là. Vélo. Vélo, lubrifiant. Un vieux vélo, un bras endommagé, mais toujours joli. Et alors, est-ce que vous pensez que la clé va nous ouvrir la porte qu'on n'arrive pas à ouvrir? Vieille boîte mécanique, une vieille boîte métallique rouillée et fermée. Oui, il y a quelque chose dedans, là, quand je l'agite, on entend. Je veux l'utiliser. Je comprendrais pas comment je pourrais utiliser cet objet ici. On la garde. Ah, attends. Autre chose, là. Un tas d'outils désordonnés, mais aucun tournevis à tête plate. Pourquoi tu cherches un tournevis à tête plate, maintenant? Moto. J'adore les motos, mais j'ai jamais eu le courage d'en conduire une. Surtout à cause de Daniel, qui n'arrêtait pas de me dire à quel point elle était dangereuse. Putain, mais ce Daniel... Une radio? Ah non. Ouais, il y a une radio, mais une chaudière. Voici la chaudière. Elle n'est pas alimentée d'électricité, tout comme le reste de la maison. Fonctionnement de la chaudière, panneau supérieur, arrêt, appuyer sur le bouton gauche, démarrage, appuyer sur le bouton du milieu, vidange, appuyer sur le bouton droit, en cas de dysfonctionnement empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence en maintenant le bouton bleu enfoncé pendant 4 secondes. Ok, c'est très intéressant. Il n'y a pas de lubrifiant ici? Non, s'il vous plaît.
On a fait des jeux chiants, hein. Mais celui-là, je suis désolé de le dire pour le moment. J'ai un peu de mal. Le chevet, le lubrifiant. Ah. Bruit chelou. On va aller voir dans la salle de bain. Cette fois-ci, petit changement depuis que Daniel est venu, le rideau de douche est ouvert. C'est quand même un comble de trouver du lubrifiant dans la salle de bain. Oh, je suis saoulé. Ce live est vraiment dégueulasse, je kiffe Redemption 37000. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce commentaire. Des livres dans l'entrée, vous ne me verrez pas me plaindre. Ah, une note poussiéreuse. Mon cher mari excentrique, j'ai laissé ta clé dans le tiroir du haut de ton bureau. Dans la bibliothèque. Les enfants ont été très agités ces derniers temps. Nous devons discuter de ton retour et je ne veux pas qu'ils jouent avec. Ok. Le lubrifiant. Purée. J'ai peut-être mal fouillé cet endroit. Service de... Ah là, il y a une porte. La cuisine. C'est là qu'on va le trouver. Il y a quelque chose sur le comptoir. Du lubrifiant. Une tablette. Ah non, un anneau. Un anneau métallique. Magnifique. Ah, il y a quelque chose de ce côté. Ça ne servira à rien. Vieux livre de cuisine. Café. Ah, ça a coulé là. L'eau s'est déversée dans le bas de l'évier. Il y a un fil juste là. C'est très dangereux. Attention, marche pas dans l'eau. On peut réparer ? Dessin de Saul, un dessin réalisé par le Benjamin de Usher. Une pomme, des fruits frais. Quoique les pommes commencent à pourrir. Ils semblent être de vieux livres de cuisine. Autant que je sache, ils sont écrits en russe. Bien. C'est immense. Ah, donc là on a un petit KGB. Si on trouve pas le, si on devrait pas, si on trouvait pas le, si on devrait trouver le, je sais même plus ce qu'on cherche, lubrifiant. Là, des fruits en conserve, bidon d'huile, un bidon d'huile rouillé d'huile de moteur, mais c'est parfait. La boîte est grasse au toucher, et presque entièrement pleine d'huile. Ça va nous lubrifier le truc. Si, prends-la. Ah oui, ici ça sert à rien, mais on a trouvé le lubrifiant. Ce jeu me passionne. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, alors en fait le truc, c'est que je sens que le jeu va partir en sucette d'un coup, qu'on sera pas prêt. Là on va se dire, ah ouais en fait, c'est du sérieux, c'est du lourd. Alors attention, écoutez aux portes, quel était ce bruit? Vous feriez mieux de jeter un œil avant de le regretter. Pour coller votre oreille contre une porte, approchez-vous. Quand vous voyez l'icône écoute, d'écoute, maintenez. En écoutant, faites attention aux sons qui proviennent de l'autre côté. What was that?
Perso, j'ai rien entendu. Attendez, j'autorise un commentaire. Ou si Nitract est encore là, tu peux le faire. Je modère. Alors, est-ce que je peux régler ce problème aussi? Moi, je peux pas. Okay. Alors, explorez les alentours. On dirait que la voie est libre. Désormais, vous pourriez... Oui, voilà, c'est bien ce que je dis, j'entends rien. Désormais, vous pouvez écouter ce qui se passe de l'autre côté des portes qui ne sont pas examinées. Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes quand il y en a un à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. On a une carte. Elle est enregistrée... elle enregistre tous les lieux que vous avez explorés. Pour l'ouvrir, appuyez sur L. La carte sera mise à jour en permanence avec des informations pertinentes. N'oubliez pas de la consulter une fois de temps en temps. Écoutez, point positif de ce jeu, nos sources de lumière sont constantes, pas besoin de trouver des piles ou des trucs. On peut écouter derrière les portes, ça c'est fun, et on a un plan, et alors ça, ça dépasse tout ce qu'on pouvait espérer dans un jeu d'horreur. C'est même le luxe. Jetons un œil au plan. Merci Pépinotux pour ce réabonnement, merci énormément. Alors on est où? Nous sommes dans la cuisine. Ok. C'est parfait. Est-ce qu'on n'est pas visité les pièces qu'on n'a pas visitées justement? Donc celle-là. Ah oui, on peut écouter aux portes d'abord. Oh, prise de risque, j'ai envie d'écouter à toutes les portes maintenant. C'est génial, c'est passionnant. Il se passe rien. Je peux pas écouter à cette porte, c'est nul. Allez, on s'en va. Donc on va retourner dans la bibliothèque pour tenter de lubrifier le tiroir. La bibliothèque, c'est par là. Cette première porte à sa droite, gauche. Et là, à droite. Ça va être dégueulasse. Lubrifier le tiroir avec de l'huile de moteur, c'est quand même un truc. J'ai hâte de voir comment elle va s'y prendre. Allez, fais-nous rêver. Je vois une clé dans le tiroir, mais il est coincé. Je dois trouver un moyen de le lubrifier. On a ce qu'il faut. Prenons le lubrifiant. Il est là. Ah, mais c'est un lubrifiant avec une petite... c'est une... ah, comment on appelle ça? C'est pas une pipette, mais c'est un truc d'huile, quoi. Je pensais que c'était juste une conserve avec de l'huile de moteur. Mais non, mais là, elle va s'en sortir très très bien. Cette huile a fonctionné comme une belle horloge suisse. Ok. Non, j'ai un petit souci quand même avec les répliques du jeu. Passe-partout. Oh non, ils ont appelé la clé passe-partout. Non, c'est un passe-partout. On dirait une vieille clé, c'était dans le tiroir coincé de la bibliothèque. Ça veut dire que ça ouvre toutes les portes? On prend. Je l'ai ou pas? Oui. Donc on va aller ouvrir la porte qu'on n'avait pas pu ouvrir tout à l'heure. On avance. Bon, pour le moment, le jeu est un peu plat, mais j'imagine que tout d'un coup, ça va partir en sucette. On sera pas prêt. J'ai un peu eu peur, là. Le phone. Should I answer? Yes, je pense. Hello? Sorry, who is this? Qui est-ce? Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Vous n'êtes pas sorti de ma chambre. Que diable. On dirait un enfant. Est-il dans la maison? Coincé à l'étage. Alors, par où on va ouvrir? La cuisine, on a une porte fermée. Et sinon, et là, à la salle à manger, tout de suite, derrière moi. Allons-y.
cours, Sophie. C'est celle-là. Est-ce que le passe-partout va ouvrir cette porte? Ah non, j'aurais dû écouter. Il me faut une clé. J'ai pas la bonne clé. Alors, on va tout droit. Je m'amuse pas énormément sur ce jeu quand même, hein. Je vous le cache pas, on a fait des choses plus prenantes. Même si, bon, on peut saluer le fait que l'ambiance arrive doucement, qu'on n'est pas agressé de... Je dis ça, et ça commence à partir en couille. On entend, pardon pour l'expression, on entend pleurer un enfant, et j'ai eu des vibrations dans la manette au même moment. Vous, vous les avez pas eu les vibrations, mais la manette a pleuré. Demon qui dit, il y a quelqu'un qui pleure, effectivement. Ouvre ton inventaire pour utiliser la clé. Mais oui, je suis con. Merci. Merci beaucoup. Ouvre ton inventaire pour utiliser la clé. Mais oui. Non, utilisez. C'est bon, la porte est enfin ouverte. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça que je fais ces lives. C'est pour ça, sinon j'avancerai jamais dans les jeux. Ah mais oui, mais vous avez des barres à droite et à gauche en fait. D'un coup, je me réveille. Est-ce que je peux enlever ça? Si je mets en plein écran, vous avez des barres à droite et à gauche ou pas? C'est ce que je disais depuis le début. Ok, d'accord, j'ai compris. Moi, je pensais des barres en haut et à droite. Comment je peux faire? Si je mets en plein écran, peut-être... Vous avez toujours des barres. Ah mais oui, attendez. Je vais vous régler ça. Merde, je me cogne sur mon... Ça doit être mieux là, non? Vous me dites. Je crois que vous voyez pas tout. Vous voyez pas l'horloge à gauche. Mieux une à droite. Ça, c'est que mon retour vidéo est trop petit. Je règle tout ça. Attendez. Bon, on part là-dessus. Hein. J'essaierai de régler ça plus tard pour un prochain live. J'ai un problème de gorge. J'ai repris froid, quoi. C'est fou. Allez, on ouvre la porte. Un tournevis. À tête plate. On dirait qu'il a connu du meilleur. C'est exactement ce qu'on cherche. Je comprends pas comment je pourrais utiliser cet objet. On s'en fout, on le prend. Mais c'est absolument pas ici. Ah si, c'est là. C'est là qu'il y avait une porte, mais il n'y a plus de porte. Note de Julia et Saul. Un morceau de papier griffonné provenant du fumoir du manoir Usher.
Julia, j'ai vu une autre porte hier. En passant devant la salle à manger, j'ai sous-entendu la musique de la boîte à musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte. J'ai couru prévenir maman, mais à notre retour, elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé une histoire. Ce n'est pas juste, je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerai et la laisserai ouverte. De cette façon, maman me croira. Saul, j'ai vu la porte bizarre que Julia a parlé, celle qui n'était pas là avant. D'accord, moi je suis de plus en plus paumé. Par quel enfer? Bon, la manette vibre. Bon, regarde, je vous le montre avec le petit truc rouge qui... Bah, ça s'arrêtait. Quand ça vibre, il y a un petit truc rouge qui se met à clignoter dans la manette. Des crânes sur le mur. Je comprends que le joueur vive à l'ancienne, mais c'est de la pure barbarie. L'odeur du tabac, les crânes, tout ça, ok. On va où? Daniel, c'est toi? La table! C'est là? Oh oui, tu vas te cacher sous la table. Ça part en sucette, ça y est. Cache-toi sous la table. Mais non! Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La porte poussée est bloquée. Quelque chose essaie de rentrer. Assurez-vous que la porte ne s'ouvre pas. Pour augmenter votre force, appuyez sur A. Quand vous sentirez assez fort pour pousser, bloquez la porte. Mais j'ai une putain de tendinite! Et bloquez là! Attends, quand vous sentirez assez fort pour pousser... Et bloquer la porte, appuyez sur RT. Attendez que votre force soit au maximum. Mais je peux pas, j'ai une tendinite! Mais merde! Mais c'est pas vrai! Mais si tu vas fermer, porte de merde! Ah, mais attendez, je l'ai pas là. Je vais mettre... J'ai un bracelet que je dois mettre quand je fais des efforts avec le bras. C'est un truc que tu mets ici pour moins souffrir quand t'as une tendinite. Il va falloir que je le mette. La porte, faites très attention. Heureusement que vous avez réussi cette fois-ci. Vous êtes désormais en sécurité, mais restez sur vos gardes. Peu importe. En fait, j'ai tweeté tout à l'heure, on va jouer un jeu, on va fermer des portes, mais je pensais pas que c'était sérieux. Enfin, je ne savais pas que ça allait être réellement ça dans le jeu. Peu importe ce que c'était, cela pourrait surgir de l'ombre. Certains éléments vous donneront l'opportunité de mettre votre oreille contre la porte dans les pièces que vous avez déjà visitées. N'oubliez pas de faire très attention, ça pourrait vous sauver la vie. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé ici? Qui poussait cette porte? Je ne sais pas, mais c'était moche. Merci Axaoulei, merci beaucoup pour les 200 bits, merci énormément. Donc on va où? Salle à manger. Pourquoi on a un œil dessiné, enfin une espèce d'œil barré comme ça? On va aller dans la cuisine. On va écouter. Sinon, pour le bruit qu'elle entend d'abord derrière la porte, on entend un bruit. C'est typiquement ce qui peut arriver, moi, enfin... Bon, je vous spoil un peu, mais j'ai eu quelque chose de similaire dans ma dernière enquête. C'est clair que t'es pas fier dans ces moments-là. Bien entendu, après, je me suis pas retrouvé face à une porte qui s'ouvrait toute seule, avec des espèces de mains noirâtres, brumeuses, qui voulaient absolument passer. Ça m'est pareil. Je pense qu'on peut y aller, hein, j'ai rien entendu. Ça devient intéressant. Le jeu est un peu long à se mettre en place. Là, je peux pas écouter, donc j'y vais. Normalement, on va essayer d'ouvrir la porte qui est juste là, au fond. Je peux écouter. On est d'accord, on n'entend rien. Flashwall qui me dit jusqu'à quelle heure tu stream, Gus. En fait, je suis là depuis 9h ce matin dans cette pièce. J'ai bossé toute la journée. Je pense que là, dans 10 minutes, je vais arrêter. Ça me fait beaucoup de fauteuils et beaucoup de PC aujourd'hui. Je vais être un peu obligé d'arrêter.
Alors j'ai la clé. Enfin, j'ai le pass. Cette clé rentre dans la serrure, ben, j'espère. C'est ouvert. Merci Spar l'étoile pour les 100 bits. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend? C'est le vent? Quand j'étais plus petite, je grimpais dans les garde-robes vides comme celle-ci pour me cacher quand on jouait à cache-cache. Bon, s'il y a un problème, on se cache là. Je peux? Cache-toi. On peut pas. Cage à oiseau. Oh. L'oiseau est mort. Coucou Aurélie, merci énormément pour le sub offert à Milizette. Merci beaucoup pour elle. Mylizette, merci beaucoup pour elle. Merci toutes les deux. Gros bisous à vous. L'oiseau est mort. Du bois. Petit bois de chauffe. Un bois de chauffe. Un petit tas de bûches. Un tas d'objets posés pêle-mêle. On a le tas de bûches. On a le. Regardez. On a donc des bougies parfumées, on a le passe-partout, on a des allumettes, on a un anneau, on a un tournevis, on a du bois de chauffage et on a une petite boîte vieille boîte métallique. Je ne sais pas à quoi tout cela peut nous servir. Ça vibre. Je ne sais pas si vous voyez la petite lumière rouge. On va où? On fait quoi? Alors, il y a l'histoire, c'est vrai. On a, alors oui, on a des points. Donc, c'est, ça veut dire, oui, j'ai compris. Ça l'a mangé, on a fini. On n'a plus besoin d'y aller. La pièce qu'on quitte derrière nous, on l'a fini. On a tout bien jeté, c'est bon. La cuisine, on a la roue qui représente généralement les paramètres, mais la roue qui nous indique qu'il y a un bricolage à faire. On va dire ça comme ça. Donc je pense que c'est en lien avec l'eau et le courant électrique. Mais là, je pense pas avoir sur moi le matériel pour m'en occuper. On va regarder. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le tournevis? Ah, il me faudrait une... je sais pas, moi. Une éponge. Mais comment ça se fait qu'il y a du courant sur les fils alors qu'il n'y a plus de courant dans le avec la boîte métallique, Gus? Ah bon? Je suis pas sûr. Je vois pas comment une boîte métallique pourrait m'aider, là. Et moi je le fais, je le tente. Boîte à outils avec tournevis. Mais pourquoi? On va combiner. Non, non. Décombinons. Attends. Combinons ça. Ah, merci. T'avais raison. Et oui, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose dans la boîte, dans la petite boîte. On l'entendait quand on l'a secoué. Donc il y a des fusibles. Il faut qu'on retrouve le... Oui, il faut qu'on retrouve le tableau. Ça va être où, ça? Dans le garage? Oula. C'est pas ça. Pas de tableau électrique ici. On va aller dans le garage. Je sens bien. Link Mega The Fourth qui dit sûrement au garage, Gus. Ben on est d'accord. Qui est donc... D'accord. Oh oh oh.
Ah, on peut grimper. On va grimper après. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire, je suis pas prêt là. C'est un truc un peu violent. Donc. Le garage, je crois que c'est là. Exact. C'est un assez bon concept, ça, hein, le fait d'écouter aux portes. Je trouve ça assez génial. J'ai eu peur. Le jeu m'a fait peur. Le chien, il y avait un chien qui s'est fait buter. Donc oui, on est déjà venu ici. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu des... d'avoir vu un tableau électrique. C'est absolument pas dans le garage. Bon, ça commence à être bizarre, hein. Où est-ce qu'on va? Donc c'est pas le garage. Ah, allez, on va aller voir là. Je vais essayer de passer par dehors. On va aller voir ce qui a tué le chien. Un sanglier, oui, c'est sûr. C'est ce qui me semble le plus rationnel. On peut ressortir. On peut se casser, en fait. J'adore ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, tu peux t'en aller si tu veux. Si t'en as marre, tu t'en vas. C'est bon. Moi, je pars. Daniel n'est pas là. J'ai terminé mon aventure. C'est totalement coincé. On ne l'a probablement pas ouvert depuis des années. Bon, on peut pas y aller. Bien dommage. Bon, on va monter. Parce qu'on a fait le tour de toutes les pièces. C'est pas ce que je voulais faire. Je suis désolé, je voulais pas rentrer là. Puis on va... Alors, on a Loloïd qui me dit il faut que tu retournes dehors. Gus, tu es allé sur la droite. Je viens de le faire, mais t'as vu, c'est fermé. Oui, t'as entendu un truc grincer, moi aussi. Il faut lubrifier toutes les portes. Qu'est-ce qui arrive à cette porte? Mais laquelle? Quelle est la porte qui a... C'était la porte d'entrée? La porte s'ouvre toute seule? Laquelle? J'ai pas vu. Purée, il y a l'horloge qui se met en route. Ça part en sucette, hein. Ce jeu, ça rend paranoïaque, ce jeu. Et vous aussi, vous aidez, vous m'aidez pas, là, avec vos histoires de portes qui s'ouvrent toutes seules alors que rien ne s'est ouvert tout seul. Qu'est-ce que vous racontez? Quoi? Il faut arrêter de faire des bruits comme ça. On grimpe? Allez, je monte. Non, le jeu est intéressant. Le jeu est intéressant, finalement. Un peu long à se mettre. Voilà, mais en fait, ce que je trouve un peu pénible, c'est de voir un portrait du centre... ok. Devoir lire tous les... Le tableau, un tableau a été retiré d'après les marques sur le mur. Je ne pense pas qu'il l'ait décroché depuis longtemps. Les rues sont si calmes. Ah, sympa la vue. Et là, t'as la camionnette blanche qui passe. Ça aurait été sympa.
Le jeu est pas si mal en fait. Là, je commence à me prendre au jeu. On va bien prendre le temps d'écouter aux portes. Porte bien fermée. Utilisons le passe-partout. Oh merde. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Cette pièce a l'air vraiment sombre. Faut que je ferme la porte, non? Ah, voilà ce qu'on entend quand le mal se cache et se terre derrière les portes. Bon, on fait quoi? Je peux me cacher où? Il y a un livre ouvert sur la table. Il est en russe. Dans une langue du genre. C'est chiant ça, là, ce qui se passe là. J'ai la manette qui vibre. Un carvel miniature selon adorable. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on a là? La porte là-bas. Ok, je ressors. Le mal est dans la pièce juste derrière moi. Gus, ils t'ont montré l'interrupteur. Quoi? Tu m'obliges à retourner dans la pièce, Nitract. C'est pas sympa. Quel interrupteur? Quel interrupteur tu parles? Ah oui, tu as raison. Cet interrupteur est certainement celui qui allume la lumière dans l'autre chambre à coucher. Il n'y a plus à résister pour l'instant. Bon, on reviendra. Courageuse la dame, quand même. Poussine, il n'y a pas de courant pour l'instant, exactement. Continuons. Oh, un Paula. Une photo en noir et blanc, une image de Catherine, l'épouse de Usher, avec leurs enfants Julia et Saul. Attends, je l'ai pas tourné. J'ai pas tourné la photo. Ne regardez pas la photo. Ah bah il fa... C'est dommage. Le feu de joie doré de Usher, il semble être passionnant. Écoutons. Alors il y a Wish qui dit, il y a en bas, il y a une porte sous l'escalier. Ah, pas faux. Je redescends. Je sens qu'il y a les plombs. Passer à côté, merci beaucoup. Et oui, elle est là. Ah, j'ai pas écouté. C'est bon, on peut entrer. La cave. Où sont les plombs? À la cave. On va à la cave. Génial. Ah, la cave digne de The Conjuring. Une note manuscrite. Cher Julia, je te félicite d'avoir réussi à trouver cette note. Tu es sur le point de résoudre le puzzle que j'ai préparé. J'espère que cela te divertira pendant mon absence. J'ai caché la poupée préférée, ta poupée préférée, dans le coffre-fort et changé la combinaison. Étant donné que tu te dessines une carrière de détective, je pense que c'est l'occasion parfaite pour mettre tes compétences en déduction à l'épreuve. La nouvelle combinaison est la suivante. Le numéro de notre adresse municipale, l'âge de Saul, la décennie et l'année à laquelle la toile accroche à l'étage... juste à côté des escaliers, a été peinte. Bonne chance, ma chère inspectrice. Bisous et câlin de papa. Bon, on va pouvoir trouver toutes ces données dans les documents. Mais on verra ça plus tard. Il y a des bons vins ici, très bons vins, et d'autres encore meilleurs.
Bordel, j'ai flippé. Merci Fleedrose pour les 100 bits. Non, t'as... Et dommage pour les 100 bits. Ah bah je sais pas. Si, pardon, je les ai lus. Bonsoir tout le monde, désolé du retard, j'ai fini mon live. Heureux de te revoir, Gus. Merci beaucoup. Désolé Fleedrose, merci beaucoup. Merci Jambon pour le sub offert à Sico ou Sik0205. Merci énormément pour lui. Merci à tous les deux. Bonne soirée Fleedrose, merci Fleedrose, pardon. Merci beaucoup. J'ai flippé. Une peinture de Kaufman de 1945. Je doute qu'il s'agisse de l'original. Un empilement de vieux rébus. Rien d'utile. De vieux rebuts. La laveuse. La laveuse semble être en... semble être là. Semble avoir été là bien avant la construction de la maison. Moi j'aimerais trouver de quoi remettre le courant. On va bien finir par trouver ça quand même. Des vases d'Asie de l'Est, ce sont de jolies pièces. Quel dommage qu'elles soient enfermées ici. Je sais absolument pas ce qui s'est allumé tout à l'heure. Là, c'est une cachette potentielle. Les plombs! Quelque chose ne tourne pas rond, les fusibles sont déformés. Pourquoi ils tournent? Ok. Alors, là j'ai besoin de vous, hein, parce que moi, l'électricité, c'est pas mon domaine. On a 10, 15, 20, 25. Et on a déjà 3 fusibles de 25, 50 et 30, ce qui nous fait... 105, et nous on a 20, 45, 60, 70. Donc on les fait pas. Je sais pas. Test au pif. Ils ont pété les plombs. Merci pour votre aide. Je sais pas. Je les ai mal placés, il faut croire que je joue à plouf plouf, ce n'est pas la solution. Bon, on va continuer à plouf plouf, non? Le 25 va avec le 25, le 30 avec le 30, etc. Oui, mais j'ai pas de 30, tu vois, par exemple. Donc non, ce n'est pas si simple. Alors, attends. Je le mettrai là. Ne me demandez pas pourquoi. Je vois pas la logique. Alors... Donnez-moi la... Ne me donnez pas la solution si vous l'avez vue sur une soluce quelconque ou quelque part, si vous la connaissez. J'aimerais bien comprendre, moi, pourquoi. Mais j'essaye de comprendre les fils. Mais en fait, comme les fils jaunes qui sont à gauche passent dans un conduit, on ne sait pas ce qui ressort exactement. Mais imaginons que ça ressorte dans l'ordre. On a le 25A d'abord. Ça repart en vert en bas. En bleu ici. 10 et 15. Ah, attends. 10. Oh. J'arrive pas à piger. Gus, il avait un panneau d'information sur les fusibles dans le garage. Vous êtes sérieux? Je l'ai lu.
fusible rayé avec fil rayé. Ah attends, les couleurs. J'ai pas fait gaffe. Mais t'as raison, il y a des couleurs. Ok, attends. Jaune, ce serait là. Vert, ici. Celui-là, ici. Celui-là, je le mets là. Non, c'est pas ça. Les couleurs, c'est pas évident. Franchement, Greg, tu l'as pas pris, c'était pas un papier, on va partout dans le garage maintenant. Hein. C'est dans l'ordre, il faut juste les mettre 10, 15, 20, 25. Bon, on va essayer. Donc ça peut être dans un autre ordre. À un moment on va y arriver. 10, 15, 20, 25. Je regarde le chat pour trouver la solution. Je vais pas retourner dans le garage quand même. Il est où ce garage ? On n'est pas loin. Je ne me souviens pas du panneau dans le garage qui me donne des indications. Je me souviens pas de ça. Et ce n'est que la première énigme. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est pas possible. Il y a moyen quand même. 25. Donc on a les fils jaunes qui arrivent, qui montent. Du premier boîtier, on a un fil vert qui descend. Un fil bleu qui alimente là. Et un fil rouge qui alimente ici. Qui remonte, qui repart dans du vert. Qui repasse là, qui alimente du jaune. Moi, le jaune, je le mettrai là. Moi, j'aurais fait ça. C'est pas ça. 25, 15, 20, 10. Bon, on va me donner les solutions que j'ai pas faites. Enfin, vous allez me donner les solutions que j'ai pas faites. 20. 15. 20. Non, mais là, il faudrait que je sache pourquoi. Peut-être que la solution est dans le coffre-fort que l'on doit ouvrir. Mini Lotto Simulator, c'est ça. On va piffer. Combien on a de chances de trouver ? 4 entrées, 4 plots. On me dit vert, en bas, à droite. C'est lequel pour toi, le vert ? C'est celui-là, hein. Orange en haut à droite. Orange, c'est celui-là. C'est pas possible. Non, mais est-ce que vous voyez une... Je ne vois absolument aucune correspondance. Enfin, il n'y a pas de... Je trouve, enfin, je sais pas. C'est fou. Le premier fusible à placer est le numéro 25. Le second, le 15. Le 20 et le 15 et le 10. 25, 15, 20, 10. Pourquoi ? Ah, les fusibles semblent fonctionnels. J'ai réussi par inadvertance. Je sais même plus ce que j'ai fait. On est arrivé ! Yes ! On va pouvoir aller se coucher. Non, sincèrement, là, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Je m'attends au pire maintenant que les fusibles refonctionnent. Je me disais bien.
Pourquoi la porte s'est ouverte un peu toute seule et refermée? J'ai la manette qui vibre. J'entends rien. Donc on remonte à l'étage. Et la porte, c'est laquelle? C'est celle-là. J'écoute. On était où? Je sais plus. Bureau, bureau. Comment ça, bureau? C'est pas ça du tout qu'on a fait tout à l'heure. Je sais plus. Première pièce là-bas. Mais vous savez quoi? Je pense qu'on va continuer sur ce jeu quand même, parce qu'il mérite peut-être qu'on s'y attarde. Je pense qu'il y a du potentiel. Non, n'en éteins pas ta bougie, merci. Il y a quelque chose à faire. J'ai été un peu critique, mais... je trouve intéressant. Ah oui, un test, l'interrupteur. C'est vrai, on avait un truc à qu'un... l'interrupteur, c'était là. Y a pas d'électricité pour l'instant, j'ai oublié un truc. Bon, vous savez quoi, on va rester là pour ce soir, quoi qu'il en soit. Parce que je suis pas apte, là, je suis trop cassé. Un peu l'inchauffé, mais ça a démarré. Oui, je trouve aussi. Sauf que là, on a oublié un truc. Le courant n'est pas revenu, donc j'ai dû oublier quelque chose. J'ai mis les fusibles, mais j'ai peut-être pas remis le disjoncteur ou un truc comme ça. Descends, non, remonte pas. Descends. Voilà. Il y a plein de sons flippants dans la maison, là. Je vais activer le jeu à la cave. J'y vais. Je prends zéro précaution. J'ai oublié le... oh bordel, The Grudge. Non, c'est pas The Grudge, c'est The Ring. Alors, c'est où? Là. Oh non, j'ai tout pété. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a un mauvais contact quelque part. Ah bah c'est la cuisine. J'adore faire ça. Eh ben écoutez, il va falloir faire une réparation dans la cuisine. Il va retrouver une, je sais pas, il faut éponger cette eau qui fait que bah, ça disjoncte automatiquement. Pas de solution, on fera ça peut-être jeudi si je fais le live. Je ne promets rien, en tout cas j'essaierai d'assurer au moins un live par semaine le mardi soir. Et le jeudi c'est du bonus, c'est du plus si j'ai l'énergie et la capacité et la possibilité de le faire. Sur ce, ah oui à jeudi, allez on se dit à jeudi et merci à tous d'avoir été là ce soir. On va continuer ce jeu, je pense qu'il y a du potentiel, de toute façon on est dedans maintenant, et maintenant qu'on a, je pense, passé le plus pénible, c'est-à-dire l'introduction, tout ça, on va essayer de le poursuivre, on est d'accord? Je vous embrasse tous très très fort, je vais quitter en proprement, voilà qui est fait, on se retrouve jeudi soir si tout va bien, sinon mardi prochain, portez-vous bien, bah, c'est dans pas longtemps hein, jeudi soir. Dans moins de 48 heures, c'est bientôt. Et puis, bah, portez-vous bien, soyez prudents, et voilà, on est déconfinés, mais on reste prudents. Gros bisous à tous, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, merci pour votre aide dans le jeu, votre soutien, et bah, tout ce que vous faites pour moi, finalement, merci, c'est juste, je sais pas, c'est juste incroyable, voilà, que vous soyez si nombreux et si gentils avec moi. Je vous aime très très fort, et à très très vite, ciao.
Je sais pas si Demon est fin live. Si c'est le cas, allez la voir. Et sinon, bah bonne nuit et bonne soirée. A bientôt, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, Rilo, la chaîne pose l'émission musicale avec un nouveau concept de vidéo qui parle un peu de paranormal. Et c'est très sympa, allez voir. Voilà. Et merci à Nitract hein, pour la modération ce soir. A très bientôt, ciao. Mais fatigue sur 20, j'aurais dû l'appeler le X sur 20, j'aurais dû l'appeler le truc. Franchement, la patate, la grosse potato. Attends, faut que je me rappelle un peu de la game bordélique. Il y avait un rhino dans la baraque. Non, il y avait un rhino. Attends, oui, c'était l'invasion, c'était la mouise totale. J'étais en train d'essayer de faire ma magnifique maison. Qui a totalement foiré parce que il y a un rhino géant qui me défonce. Oh non, il fait nuit en plus. Au secours. Attendez. Ah oui, c'est vrai qu'avec ce shader, les torches ne marchent pas. Et bonsoir, Alkis. Bienvenue à toi. Bienvenue. Alors attendez, on va faire passer la nuit. Il faut que j'aille tuer cette bestiole. Coucou tout le monde. Le pack de textures. Alors. Ah bon, on va commencer par ça, comme ça, personne ne me reposera la question. Hop là, je me mets ici. Alors, le shader, les amis, le shader. Option graphique, shader.